T'es où là? Enfin, on est à Malaga, c'est ça? À Malaga. Je crois. Et voici Orange. Bon allez, on y va? Donc oui, une fois que tu auras brillé en société et que tu auras raconté dans un dîner à table que le Mitsubishi L200 s'appelle le Triton au Canada et aux États-Unis, tu pourras même débrayer sur un débat en disant « Mais vous pensez pas qu'on aurait pu donner un nom un peu moins robotisé à ce pick-up ?» D'ailleurs, si tu devais lui donner un nom, tu l'appellerais comment ? Pense pas à L200. Super Rock. Super Rock. Super Rock. C'est en référence au cahier des charges du véhicule où les ingénieurs ont voulu bâtir quelque chose taillé dans le roc et fort comme un roc. C'est ça. Qui aurait même inspiré le nom du grand catcheur The Rock. Juste comme ça, mais apparemment les députés se sont bien acharnés sur le L200. On dirait un article de loi d'ailleurs. Article L200. Nouvelle... Sujet de proposition de loi d'une certaine députée qui se serait acharnée sur ce malheureux pick-up qui était jusqu'à présent exonéré de TVS et de malus. Et maintenant. Puisque considéré comme un véhicule utilitaire, ce qu'il est. Mais comme on a vu beaucoup de membres du gouvernement rentrer dans le palais de l'Elysée en Mitsubishi L200. C'est vrai. Ça a commencé un peu à agacer. Et maintenant, on a un petit malus de 5000 euros. Non, le malus est de plus de 10 000 euros. Ah et oui. La TVS, quand on est une société et qu'on achète ça, par exemple, pour pouvoir aller dépanner quelqu'un en forêt ou faire du 4x4, c'est vraiment le véhicule idéal pour ça. La TVS est à quasiment 5000 euros par an. Donc 15 000 euros de plus en frais d'entrée. Dès la première année. Paf. Allez, prends ça! C'est de l'acharnement, hein, parce que c'est que en France. Voilà. Aquí se queda la Clara, la entrena transparencia de tu querida presencia, comandante Benoît Alves. Salut les kids, en direct du Mitsubishi L200. On est dans la benne. Je me fais attaquer. C'est le Pueblo ici. C'est les Casanillas. Oh là là! Tout ça parce que on a un coffre-fort rempli. Non mais calmez-vous là! Putain! Non mais putain! Non mais ils sont sérieux! Bon, Caroline, c'est pas moi, hein. C'est Alain et Étienne. Voilà. Attends, je crois que tu déranges un scout. Ah bah non. Ah bah non, c'est klaxon refait. Bon Dani, allez, tu vas me montrer à quoi ressemble cette petite chose, toute petite. Malaga, c'est pas que la playa, c'est aussi Volvic, la montagne. D'abord la jambe droite, et ensuite la jambe gauche. Et puis le L200. Le L200 qu'on voit ici. Alors apparemment, il a pas pris 1 mm. Ok, il a juste été rehaussé de quelques millimètres au niveau de la calandre avant. Là, on voit le travail d'orfèvre japonais, taillé dans le roc, dans la brique même, couleur brique orange. Et puis, on est passé sur du lourd, c'est-à-dire des jantes en 18 pouces. Que du lourd, mais rien de relou. Et puis, à l'intérieur... On sent qu'on est vraiment dans l'univers du franchissement avec ces poignées que vous prenez comme ça. Hop! Quelle élégance! Avec un peu plus de classe, bien oh évidemment. Oh là là là! Là, on est dans une version boîte méca, mais on retrouve vraiment l'essence du L200 de 5e génération en mieux.
autre nouveauté notoire. C'est con, hein. Mais moi, j'adore ça. Le rangement pour les lunettes. Très pratique. Ouais, tu sais, cowboy. Ici, dans le Nevada, il y a deux règles. Tu te déplaces et tu survis. Nous, les agriculteurs, les exploitants, les électriciens, ceux qui vont chercher l'or dans les montagnes, on transporte du lourd, pas des cailloux, des lingots. Et c'est pour ça que on aime bien ce petit Mitsubishi L200. C'est pour sa benne. Comme ça, on transporte le magot en toute tranquillité. Sauter d'un pick-up, c'est tout un art. Je te les envoie où les photos, Alain? Dans mon cul! Si on devait tourner le prochain Resident Evil, je pense qu'il pourrait se passer ici, en fait, dans les campagnes du Nevada. Avec ses routes à perte de vue. Ce ciel magnifique. Et bon, forcément, un pick-up à toute épreuve. Couleur rouge brique. Une espèce de couleur un peu camouflage. Et à l'intérieur, il faudrait un guerrier. Un mec qui ait peur de rien. Comment il s'appelle le mec dans Resident Evil là? C'est Paul? Chris. 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 Chris, le voilà. Yeah, Chris. Prêt pour la chasse aux zombies? Je voudrais plutôt aller à la plage. Alors, vamos à la playa alors. C'est risqué si je monte à l'arrière? Ouais, mais c'est pas grave, c'est toi. Tu vas zen, hein? Allez. Ouais, ouais. Ne faites pas ça chez vous. J'ai perdu un pari. J'ai voulu faire des beaux plans rien que pour vous. Et je me suis mis dans la benne. Aïe aïe aïe. Eh ben, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, hein. Alors là, Benoît s'est fait arrêter parce qu'au lieu de, au lieu d'aller à 30 km/h, il était à 130 km/h. Bonjour monsieur, apparemment vous étiez à 130 au lieu d'être 30. Esthétiquement, là comme ça, on comprend d'un coup d'œil l'évolution. Et ça claque hein, quand même. Hein. Ah, je m'en lasse pas, je m'en lasse pas. Alors, tes impressions sur cette sixième génération? Ok, il a rien perdu de qualité de la cinquième génération, bien au contraire, il les a peaufinés. Donc c'est pas une révolution. Peaufinés. Voilà, de grosses améliorations. On est sur beaucoup plus de confort, de conduite sur la route. Le moteur est vraiment meilleur. Donc, il sort de Blue Thunder, c'est une nouvelle dernière génération. Et la boîte de vitesse est largement meilleure aussi. Donc, grosso modo, vous prenez celui-là, vous lui donnez un super look, vous améliorez tout ce qu'il y a dedans et vous avez celui-là. Et vous mettez un conducteur comme ça, et là, ça devient illégal.